parole, Seigneur. Ainsi, nous pouvons nous mettre debout un moment et lire Actes chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset, en fait, c'est le verset 17 pour qu'on arrive au verset 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. On est allé qui Mongongo. Oui, c'est là qui consolola na l'apôtre Paul. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Ok? Verset 18. Afin que, ok? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons là, ça c'est Dieu qui parlait à Paul. Il dit que je t'envoie. Comme nous avons compris que Dieu utilise toujours un homme pour bénir les autres hommes. L'homme est l'instrument de Dieu. Amen. L'homme est l'agent de Dieu. Toujours, Dieu utilise un homme pour bénir les hommes. Amen. C'est comme ça qu'il a toujours agi de sa façon. Dieu avait des bénédictions à donner. Il avait des choses à donner. Il dit, je t'ai choisi toi Paul. Je t'envoie vers les païens. Alors, commençons un peu à disséquer. Il dit que, afin que tu leur ouvres les yeux. Quand on dit ouvrir les yeux dans le terme biblique, c'est leur donner la compréhension des choses. Pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière. Donc, il faut, pour quitter dans les ténèbres, il faut que les yeux s'ouvrent. La première action, il dit, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Et il dit pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. La première étape, il faut qu'il y ait l'ouverture des yeux, la compréhension spirituel des choses. La deuxième chose, il passe de ténèbres à la lumière. Et alors il explicite l'idée de passer de ténèbres à la lumière. Il dit de la puissance de Satan à Dieu. Dieu lui sait que Satan a une puissance. Toi, tu ne sais pas, mais Dieu lui sait. Dieu il peut se quitter la puissance de Satan. Satan a une puissance. Maintenant qu'il quitte la puissance de Satan, qu'il va dans la puissance de Dieu. Dieu sait que Satan a une puissance. Nous ne devons pas l'ignorer non plus. Donc, on devait quitter la puissance de Satan pour aller maintenant à Dieu, pour aller à la puissance de Dieu. Maintenant, la deuxième partie, il dit, pour qu'ils reçoivent. Tu ne peux pas recevoir tant que tu es dans les ténèbres. Mais vous comprendre. Alors, pour qu'ils reçoivent par la foi. En moi, vous voyez, il a même précisé de quelle manière vous allez recevoir ce qu'il vous a destiné.
Parce qu'il a envoyé un messager pour qu'il reçoive par la foi en moi. On dit le pardon de péché et l'héritage avec les saints. Avec les sanctifiés, bien sûr. Les sanctifiés sont les saints, d'une manière ou d'une autre. Dont les sanctifiés, ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Donc, nous voyons que la première chose, il faut d'abord que les yeux s'ouvrent. C'est-à-dire que vous devez accéder à la compréhension de ce que Dieu vous a envoyé au travers de l'homme qu'il vous envoie. Quand vous comprenez cela, c'est alors que vous pouvez quitter les ténèbres et rejoindre la lumière. Que tu peux quitter la puissance de Satan pour entrer dans la puissance de Dieu. Une fois cela fait, alors maintenant tu peux recevoir. Si tu ne peux pas recevoir pendant que tu es encore dans les ténèbres, pendant que tu ne vois encore rien, tu vas recevoir. Oui. Pendant que tu es encore sous la puissance de Satan, tu ne peux rien recevoir. Dieu dit que vous devez d'abord quitter les ténèbres, venir à la lumière, quitter la puissance de Satan, venir dans la puissance de Dieu. Alors maintenant, vous pouvez recevoir par la foi le pardon de péché. Amen. Et l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. C'est ça l'ordre des choses. Vous savez, Jésus dit, il dit ne priez pas comme les païens. Ils prient pour des biens matériels. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Il dit qu'ils prient pour les biens matériels, etc. Lisez ça avec moi. On peut lire ça dans Luc 12, je crois. Luc chapitre 12. Nous sommes ici pour souvent sonder les Écritures parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, Luc, chapitre 12, on peut commencer à partir du verset 22. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Lisez avec moi, on y va. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni pour votre corps de quoi de ce que vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. 24. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, voilà, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? 27. Considérez comment croissent les lys des champs. Les lys. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? 29. Et vous Ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Vous voyez cela? Continuons 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez?
32, on peut ajouter. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume. Quelle merveilleuse parole. Là, il fait des déclarations très fortes en disant que ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous allez vous habiller. Il dit que ce sont les... Écoute la précision. Yoka. Qui sont ceux qui cherchent ça? Il dit les païens. Il dit que c'est inutile de chercher ça. Pourquoi? Parce que votre Père, n'est-ce pas, prend soin de vous. Il sait de quoi vous avez besoin. Il dit, regardez comment votre Père prend soin des oiseaux, prend soin des fleurs qui sont dans les champs. Il dit, mais vous, vous valez plus que les oiseaux, plus que ces fleurs. Et il dit, ne vous inquiétez pas de la nourriture, des habillements, de tous les biens matériels. Il dit que ce sont les païens qui les recherchent. Est-ce que vous croyez ça? C'est ça l'enseignement de Jésus. C'est, on ne peut pas aller gauche-droite. C'est l'enseignement de Jésus. Il dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Alors, que devons-nous rechercher? Selon Jésus. Que devons-nous rechercher? Selon Jésus, nous devons rechercher le royaume de Dieu. Il dit, nous devons rechercher le royaume de Dieu. Et puis il ajoute, il dit, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. Il dit, c'est même la, en d'autres termes, c'est même la volonté de Dieu de vous donner le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vous appartient. Le royaume de Dieu est à vous. Il dit que les restes des choses là vous seront donnés par-dessus. Donc, une fois que vous êtes dans le royaume, ces choses-là vous appartiennent. Elles viennent vers vous. Je pense que vous comprenez la chose. Amen. Donc selon Jésus, 40 jours il y a prière pour que promotion, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Ça, c'est Jésus, pas le pasteur Yves. Ça, c'est Jésus-Christ. Pour lui, ceux qui recherchent le bien matériel, il dit, ce sont des païens. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Et si c'est l'enseignement de Jésus, je crois que tu diras amen. Parce que si tu étais là ce jour-là, je ne sais pas ce que tu allais te cacher. Il dit, mais vous, vous voyez la précision, le Seigneur fait une distinction. Et il montre, il dit, mais vous, en d'autres termes, vous, mes enfants, vous, les enfants de Dieu, vous, ne vous inquiétez de rien, mais recherchez plutôt le royaume de Dieu. Voilà ce qu'il recommande. Voilà ce qu'il recommande aux chrétiens, aux enfants de Dieu de rechercher. Quelqu'un dira gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous comprenons cela. La seconde chose, c'est que lorsqu'il a dit, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, Jésus dit dans Jean chapitre 3, ouvrons notre Bible, c'est quand même nécessaire de lire ça. Jean chapitre 3. Le verset 5. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Jésus répondit, on y va? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, Jésus a la kisipole les différences au Yézali entre royaume et Nzambe. Pe na mokili oyo. Et dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Si Manaïna a expliqué que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume,
Si je vais expliquer que rechercher le royaume de Dieu, yemoko ayeko lakisa ndengenini tokoki ko yingela kati na bokonzi na Nzambe. Nda solo li alobi ke si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Là où Dieu règne, là où la parole de Dieu fait loi. Amen. Donc, ndenge tozawana to salema pona kozala na kati ya bokonzi na Nzambe. Et ndenge Jésus a ça pour expliquer à Zolo Bake et sengeli na biso to lukande bokonzi na Nzambe. Alobi différence ezali entre bato bokonzi na Nzambe na bato mokili oyo. Alobi bato bokonzi na Nzambe babotami uta na molimo na ye. Amen. Amen. Alobi babotami uta na mayi pe na na molimo. Vous avez dit que 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 vous avez ezali comme j'ai dit là, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Maintenant, lorsque vous naissez de l'Esprit de Dieu, c'est ça la nouvelle naissance. Puisqu'il y a un verset 3, il dit que en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, amen. Vous voyez cela? Il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir, parce que le royaume de Dieu, tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu. Le verbe voir ici signifie comprendre. Ce qui au botamina non balami balete au côté kala kososola bokonzi na nzambete. Amen. Est-ce que toza wana? Amen. Il a dit ça Nicodème. Abalama pana Nicodème. Quand il continue maintenant, tant Nicodème a retourné maintenant au botama ndenge nini? Est-ce que na kosoka na libuma mama na kosala ndenge nini? Na yimsa lebike ezali la naissance dans l'esprit. Ezali botama kati na molimo. Il devait naître d'eau et de ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est devenu céleste. C'est ce que cela signifie. Amen. Est devenu céleste. Amen. 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 Alors, nous devons comprendre ici que la nouvelle naissance est en rapport avec le royaume de Dieu. Botamami balé zali ko bantina na bokonzi na Nzambe. Tango botemi balami balé nde okoti na kati na bokonzi ya Nzambe. Amen. Amen. Ce que botemi balami balé te ozali nanu na kati ya bokonzi na Nzambe te. Nature eza kati na yo, eza nature ya mokili. Satan de azo régner kati na yo. Ozana na se ya bokonzi ya nani? Ya Satan. Est-ce que vous le comprenez? Il n'y a que deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Au fait, il n'y a que deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Il dit il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Amen. Amen. Il y a la vie. Puis il y a la mort. Deux. Mi balé. Toutes les autres choses se rattachent à l'une ou l'autre des puissances. Alobi et Fandi Biso Awa. Moko na ba puissance wana ndeko domine. Soit puissance ya Nzambe ndeko domine katina yo. Tote puissance ya Satan ndeko domine katina na yo. Il n'y a pas moyen de rester neutre. Vous le comprenez? C'est la nouvelle naissance. Vous naissez de nouveau. Vous naissez de l'Esprit de Dieu. Donc, pour nous comprendre,
obota makati na mulimo na mayela bomoto. Est-ce que ça wana? Amen. Jésus a salubi que si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Eli Kolobanin, voir signifie quoi? Comprendre. Si que soko simbi makambwana, ce que tant nous ambazo le bana Paul, afin que tu leur ouvres les yeux. En d'autres termes, il faut qu'ils arrivent à la compréhension. Pour la compréhension, qu'est-ce qu'il faut? Ils doivent naître de nouveau. Quand ils naissent de nouveau, maintenant ils peuvent voir le royaume de Dieu, ils peuvent comprendre le royaume de Dieu, ils peuvent saisir le royaume de Dieu. Est-ce que tu comme Yohana? Amen. Les Cambois allaient dire que les locaux de Bosso, il faut mieux se fondre. Mais selon Jésus, mis ce qu'on fonde, mais ce qu'on botte, mis bala, balé. Donc, quand Dieu dit à Paul que, afin que tu leur ouvres les yeux, dans la polité, et ils allaient comme ma bango, la nouvelle naissance. Amen. Parce qu'à le bikuna, ils doivent quitter maintenant les ténèbres, aller dans la lumière. Il n'y a que deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Le royaume des ténèbres est et des lumières. Et le royaume des lumières. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Le royaume des ténèbres, c'est Satan. Ouais. Les œuvres des ténèbres. Le royaume de Dieu, ce sont les œuvres de lumière. Amen. Ils ont deux puissances, deux royaumes. Maintenant, vous comprenez, là on dit que afin que tu leur ouvres les yeux, ce n'est que la nouvelle naissance qui vous ouvre les yeux pour comprendre que ah, il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu existe. Il y a une nouvelle naissance, nous avons la réalité, il y a beaucoup de choses. Nous avons une nouvelle naissance. Nouvelle naissance. La réalité. Il y a beaucoup de choses. Tout ça, on a. Amen. Il dit que le Bokonzi Nzambe, c'est une réalité, mais na misu boyokumo na ngote, na mayela bomoto, pour comprendre ya ngote. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut comprendre le royaume de Dieu. C'est lorsqu'un homme est né de nouveau, tout ça, la réalité ya Bokonzi na Nzambe. Amen. Amen. À ce moment-là, il a quitté les ténèbres. Il est entré dans la lumière. Est-ce que vous le comprenez? Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous comprenez la chose? Amen. Quitter les ténèbres. Le processus wana eza ko sala bananzela nouvelle naissance. Tango botemba la mibale nde obimi pe na molili, obimi na influence oyo Satan za la ki nango likolo na yo. C'est kawa botala bien. Zamba mimi biso wapi? Amimi biso na kati ya bokonzi dans le royaume de son fils. Donc le royaume, vous devez naître. Zamba mimi yo na royaume na ye na nzela ya nouvelle naissance. Nzela ya nouvelle naissance, zamba mimi yo na kati ya royaume. Botami mbala mibale asili kolongwa na molili akoti na kati na Pole. Napole. Est-ce que nous sommes là? Amen. Motoyo azali né de nouveau, asiliko
Olongwa na molili. Na molili. Akoti na pole. Akoti na bokonzia. Yanzambe. Yanzambe. Oh ya lumière ya pole. Amen. Amen. Bokonzi lingi koloba. Règne Zambe ndazo dominer. Na tango wana kati na yo. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards comme ça. Le royaume de Dieu est en vous. Nous avons installé beaucoup de choses dans la moto. Ok? Oui. Tout ça, wana? Amen. Tout ça, c'est l'élément de Moussous. Tout ça, c'est l'élément de Moussous pour tout le monde. Dans l'Ancien Testament, Moïse Asali tabernacle Emma. Et il y a biteni boni misato. Eteni asuka. Ezakini ni le saint. Le saint. Le saint des saints. Nde esika trône ya Nzambe ezala qui représenté kuna. Ezabo été. Oui. Au-dessus du propitiatoire. Le colonne est bon de celui. Amen. Trône li koloba autorité. Trône li koloba Bokonzi, règne Zambe, Atali Seki Angona Bililingi, que royaume naye, Oezalaki, Kuna Nalola, a représentant dans le sein des saints. Nesika Laki Seki Ango. Tozawana? Amen. Tango Jésus aye, trône, et parce que Jésus est Moko Azali, tabernacle, Aza Tempelo. Nzamba salinini nzamba lungu na lola ingeli wapi akoti na kati ya Jésus Christ trône ya nzambe ezalaki kati na Jésus Christ le troisième trône eza wapi parce que l'ère Jésus a kufi asekui azu nzoto na kuti na lola atika kuna likolo trône ya misato eza esika nini kati na namutu mokolo ya Pentecôte mokolo ya kitela Esprit ya Nzambe kiti e ko fanda kat na moto. Ndende wana bokonzi na Nzambe e koti mitema ya bato. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc tozole belatina bokonzi na Nzambe li kolobake. Nzambe nde abandi ko contrôler yo, abandi ko diriger yo. Tango priozo prio lobi que ton règne vienne. Tango tozole ba que ton règne vienne ça veut dire que le royaume de Dieu est ya. Or le royaume de Dieu est déjà venu sous la forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, c'est le règne de Dieu déjà qui a commencé. Amen. Ce n'est pas tout. Dieu a commencé par installer son royaume dans le cœur de ses sujets. Mais le royaume de Dieu que vous entendez là, bientôt, Dieu l'installera sur la terre. Tout ce que vous voyez ici disparaîtra. Mais ce règne-là, Dieu le commence dans le cœur de ses fidèles. Amen. Alors, Paul, je t'envoie. Paul, on a dit Moni, va vers. Chez les gentils là, que tu leur ouvres les yeux. Miso ba koloba, ezali miso naturel oyote, ezali miso spirituel. Eli koloba, la compréhension spirituelle des choses. Eli koloba ke okoyeba réalité ya makambo molimo oza koyeba libosote. Et pour la croyer, Jésus a dit qu'il n'y a qu'une seule façon. Vous devez naître de nouveau. Ayebisi Nicodème. Nicodème était un prédicateur. Jésus ne parlait pas n'importe qui. Il parlait à un prédicateur, un docteur de la loi. Il a dit en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pourtant, c'est un prédicateur. Pourtant, c'est dans la Bible. Mais Jésus a dit à lui que tant qu'on signifie la Bible, on a dit que ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que
Parce que bokonzi na nzambe ezosenga nouvelle naissance. Est-ce que vous le comprenez un peu? Amen. Maintenant, ça c'est hippie. Jésus a le bien absolu que ceux qui to tonuki bokonzi na nzambe, tosi bokonzi na nzambe, ma kambonyon som susuana, otzali na mobosenga, et kope sa melabiso automatiquement. Et qu'il y a l'ana biso automatiquement. Donc avant que na banda ko sepela na bozu na ngai na mapambuli na ngai et sengeli na ngai liboso na kota nanu na bokonzi ya nzambe. So na kota bokonzi na nzambe te na lingina sepela na ko sepela na nini. Vous êtes avec moi? Amen. Donc afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. La puissance de Satan, c'est le péché. Tant que aux alina nos bottes malami balété, péché n'est pas en autorité. Péché n'est pas dominé et contrôlé. Nous avons déjà lu ça dans Romains 7, non? On a déjà lu ça. Lisons encore cela. Ça peut rappeler à quelqu'un quelque chose. Romains chapitre 7. Vous allez voir comment cela se passe. Il y a verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Et ça, vous voyez? Oui. Donc, continuez. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Aux hommes de Cambrai, tout continue. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. De même temps, vous au lingi ko sala bola moi. Mon zana makasi ko sala ngote. So lingi ko sala bola ma bende fele. Parce que ma bende ezalina autorité pour na yo. Et ezalina règne. C'est ça le règne de Satan. Ezana règne dans la bokonzi pour na yo. Même quand tu veux faire le bien, c'est le mal qui passe. Attends, lingi ko sala bola pour la sacre expérience. Aussi c'est les canisses. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est quoi? C'est le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en moi. Yamundito Salamakambouane. Continuez. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, qu'est-ce qui se passe? Le mal est attaché à moi. Continuons. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend comment? Captif. Prisonnier de la loi du péché qui est où ça? Dans mes membres. Osa liberté. Osa nasse ya domination ya Satan. Même ata olingo sala eloko bien okokate. Ya koleka toujours le poisson. Parce que osa nasse ya règne, règne du péché, règne du mal, règne des ténèbres. Osa sala mon en côté. Et sa nature, et sa carte, non, tout bon ami bisogno sont des moines dans mon kilo. Yamana Nzamba tient nouvelle naissance. Pour la commissa biso, Nambotam na biso yakala, à côté de ce Nambotamasik, tout ça la nouvelle créature. Ce que ça est salé pour moté, au bout de la cagande, au bout de la kawana. Au moment de ma cambo, ma parano bazarana, au Zolandayo. Ma maman le kinayo, ma tante, ma oncle, ma kamuna, ma maman, au Zolandayo. Pour la nini, au Zana. Tant que vous comprenez,
au comprendre paix de délivrance tes animes. Vous n'avez pas compris, c'est recevoir la délivrance. Vous n'avez pas saisi. La délivrance, ce n'est pas tomber par terre. La délivrance, ce n'est pas crier. La délivrance, ce n'est pas 40 jours de prière. Non. Donc, il y a des quand je vais faire, à le but misérable que je suis, qui me délivrera. Donc, dans le Rwanda, aux Anassé à Boumbou, tu veux faire le bien, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que aux Anassé, il y a Bokonzi, il y a Molili, Bokonzi, il y a Satan, Bokonzi, il y a péché. Satan domine sur toi. Et la condition, tu ne peux pas recevoir quelque chose de bien. Pourquoi je le vois mal à monter? Il y a des coups de calibosso à Botolian. Le pamboli d'ailleurs est comme la yote n'a qu'à ta condition. Vous le comprenez un peu? Amen. Est-ce que vous êtes sur la macamboye?